Ok. Vous y allez tous les jours au collège? Oui. Vous avez une idée comment, là, de commettre ces faits? Comment? Comment ça vous est venu, là, cette idée d'extorquer des victimes? C'est quand même dingue, ça. Demain, c'est sûr, je sors. Demain, c'est sûr, vous sortez, après avoir vu un juge des enfants, mais il faudra qu'on décide de ce qu'on fait de vous. Avec des éducateurs qui vont travailler avec vous. Il n'est pas question que je vous retrouve dans la rue en train de voler d'autres victimes. Ça, c'est sûr. On est très clair là-dessus. Oui. Bon. Les policiers vont vous expliquer que vous avez le droit de voir à nouveau un médecin et un avocat. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, là? Mais je vais pas sortir aujourd'hui. Non. Déjà de une. Et des soucis familiaux que je peux plus en parler. De deux. Vous croyez que ce serait peut-être le moment, là, d'en parler? Vous avez peur de la réaction à la maison? Oui, mais... j'ai peur que ma mère, elle ne veut plus voir. Et même si mère est grand. Mais oui. Vous êtes mis dans une situation compliquée, là, hein. Oui. Alors, je vais noter tout ce que vous m'avez dit. Donc, de mon point de vue, cela ne va pas. Je suis claustrophobe. La policière m'a menti. Elle m'a dit que je pourrais sortir si je disais toute la vérité. J'ai vu un médecin hier. Je n'ai pas vu l'avocat. Je pleure car je ne sors pas aujourd'hui et j'ai des soucis familiaux. J'ai peur que ma mère ne veuille plus de moi et mes petits frères me manquent. Ça va? J'ai résumé? Oui. Bon, vous avez commencé à réfléchir, ça me rassure un peu. D'accord? Oui. C'est pas la première fois que vous êtes en garde à vue? Comment? C'est pas la première fois que vous êtes en garde à vue? Si. Si. Oui. Bon, on va essayer de comprendre tout ça pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. D'accord? D'accord. Allez, vous pouvez y aller.
Au revoir. Au revoir, monsieur. Ce jeune-là, tu vas voir. Ouais, il est inconnu apparemment. Il avait un rendez-vous ce matin à 10h. Bon, moi je vais le voir. Détention stup, t'as la réponse. Et là, c'est stup. Usage. Ouais. Donc voilà, c'était okay. L'info que je voulais te passer. Ok, et la mère arrive, c'est ça du coup? Ouais, il l'a appelé. Il a prévenu la mère, ouais. Ok, j'appelle le dépôt juste, puis je te laisse ta place. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui nous amène à nous voir aujourd'hui? Trafic de stupéfiants. Trafic? Ouais. D'accord. Vous faites ça régulièrement? Non. Vous avez fait 2 jours de garde à vue? Ouais. À chaque fois qu'ils m'ont attrapé, ils me mettent 48. 48. Parce que vas-y. Vous avez vu le procureur? Non. Par visioconférence? Ah, si. Ah ouais, elle a prolongé ma garde à vue. Voilà. C'est-à-dire que quand on prolonge votre garde à vue, c'est obligatoirement sur décision du procureur. Mmh. Alors, vous avez un numéro de téléphone? Non. Pas de téléphone? Sous scellé. Ah. Ils l'ont mis sous scellé, les enfants. Oui. Non. Vous êtes, en fait, excusez-moi, je suis pas là, je suis éducateur, ça veut dire. C'est-à-dire que vous allez avec moi, vous allez. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire, on fait quoi ensemble, en fait? Je vais vous expliquer. Je voulais juste savoir pourquoi vous étiez là. Je vais tout reprendre. Hein, vous faites bien de poser la question. Ok. Alors. Moi, je ne suis pas là pour vous juger sur les faits. Je ne suis pas là pour vous défendre non plus. Je suis là pour essayer avec vous, sur un entretien d'une heure à peu près, de comprendre un petit peu votre situation. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Comment on en arrive là? Sachant que tous les jeunes de votre âge ne passent pas par le dépôt de Paris. Donc vos parents sont divorcés ou séparés? Séparés. Séparés. Ils ne sont jamais mariés. Ils sont jamais mariés. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter? Le cannabis? Oui. Non, mais de temps en temps, je fais des pauses. 1 mois, 3 semaines. Ça n'a pas trop d'emprise sur ma vie, je dirais, le cannabis. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous vous mettez autant en danger sur cette question-là? Ça, c'est juste l'argent. J'en ai rien à foutre de la drogue. C'est juste l'argent, en fait. Et la question de la loi, monsieur? Ah. De la limite. C'est-à-dire? Quand on est par rapport à la loi à côté de la plaque et qu'on se fait attraper la main dans le sac, on se confronte à la question de la loi. Je vous dis simplement, moi aujourd'hui, faites attention à cette confrontation. Vous ne vous rendez pas compte. Je viens de tenir loin, c'est tout ce que je fais d'illégal dans ma vie de deal. Je fais rien d'autre d'illégal. J'en connais, ils sont dans 12 business. Moi j'étais juste là-dedans. Je sais que je vais le quitter. Donc, je suis pas inquiet. Je sais que j'ai un projet d'avenir solide, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas misé. Oui, mais moi, ce qui m'interroge, monsieur, je m'en fous de cette question-là en tant qu'éducateur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport en tant qu'adulte que vous aurez avec vos propres obligations. Vous pensez que j'ai un problème avec la loi et tout? J'ai pas de problème avec la loi. Genre, juste, en fait, moi, je considère pas. Écoutez vos paroles. Vous allez passer devant le cadre d'un déferment, devant un juge, et vous me dites j'ai pas de problème avec la loi. Allô? Non, mais je veux dire. Allô? Genre, ça va. Allô? Oui, genre, je sais que là je fais une connerie, mais c'est tout, c'est bon. Je savais que ça allait tomber monsieur, sur ma gueule. Monsieur, si vous me voyez aujourd'hui, c'est que vous avez un problème avec la loi. Et que vous avez dans votre histoire une défaillance de l'autorité au mais moins paternelle. Vous voulez faire quoi? M'écraser comme une pièce, que je rentre dans un moule, que je me mette à... Est-ce que je vous ai non, dit mais ce ça que je veux dire, c'est que vous savez très bien qu'on ne peut pas respecter monsieur, toutes si les lois, monsieur. Monsieur, si vous met une étiquette de délinquant derrière le dos, là on vous met dans un moule. Je pense pas être un délinquant, franchement. Ah ben, il serait temps d'en prendre conscience. Vous l'êtes aujourd'hui. Ouais, je sais pas. Peut-être, mais de toute façon, c'est pas grave, sortez. Puisque ça n'a pas duré, de toute façon. Donc, mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que j'en sais? Mais parce que je bosse pour mon bac et tout ça, à côté, tous les jours, je m'emmerde avec mon bac, alors que, en vrai, je pourrais fumer des joints, rien foutre, mais quand même, même en rentrant d'une journée de deal de merde, continuez, j'ai envie de dormir et je bosse sur mon bac quand même. Continuez votre discours, allez-y, vous avez raison, c'est bien.
les majeurs. Dans tous vos deux. C'est des stupes. Ils consomment tous les journaux dans les deals pour avoir de l'argent. Il n'y a aucune intégration de la question de la loi et de la limite chez lui, c'est hallucinant. Je me suis un peu fâché. Ah oui, il me dit en gros, je vois pas pourquoi vous êtes là, moi j'ai aucun problème avec la loi. Moi aussi. Je me dis, ah bon, mais pourquoi vous êtes là, monsieur? Puis à la fin, je commence à lui expliquer les propositions qui peuvent lui être faites. Ouais, en gros, non, mais j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de. Mais j'ai dit, bah écoutez, c'est très bien, salut, au revoir. Enfin, je veux dire, il y a un moment où. Et il est dans un. Vous allez voir, hein, ça verbalise. Hein. Non, mais je vais précéder. Moi, je vais assez peu verbaliser après 13 déférés. Alors, ça, moi, pas. Si vous voulez, deux choses. Je mettrais bien une MGE parce que je sens que la mère va le foutre dehors. Mmh. Incessamment sous peu. Mmh. Il est bizarre. Bon, comme vous voulez. Le père est un polytoxicomane qui est venu il y a 2 ans pour le voir et lui demander de la drogue. Le père lui demande de la drogue? Il lui a donné. Mais après, il a dit, je te vois plus, c'est fini. Je finis mon petit rapport? Ça ne vous dérange pas? Non. Juste ma conclusion, j'en ai pour 10 minutes. Oui, oui, on va préparer les PV et les trucs. C'est le stémodin, vous dites? Je vois que vous avez eu des suivis psychologiques. C'est ce que dit l'éducateur qui vous a rencontré, parce que c'est ce que vous lui avez dit. Ou ce qu'a dit votre mère. Pourquoi? Parce que j'étais turbulent. Pour ces histoires de comportement. Vous m'avez pas l'air complètement dans la réalité tout le temps. Madame, il vit avec vous. Vous êtes que tous les deux? On s'est séparés avec le papa quand elle avait 3 mois pour polytoxicomanie et violence conjugale. Donc. Non, je dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Ouais, c'est bien. Ça va te mener loin, je sais. Mais en même temps, monsieur, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'étais étonnée que vous soyez dans un espèce de discours en disant « Depuis tout petit, je suis comme ça ». S'il y a ce contexte-là, ça peut expliquer quelque chose, un certain nombre de choses. Après, je suis pas à dire que tout est de la faute de ce monsieur qui est votre père. J'ai l'impression que, et je vais vous poser la question, madame, que cadrer ce jeune homme, ça a dû être un peu difficile pour vous. Un enfer. Mmh. J'ai cherché des solutions. On s'engueule beaucoup, hein, mais on s'aime quand même. Mais on s'engueule beaucoup. Le papa... Elle m'engueule beaucoup. Moi, j'ai rien à reprocher. C'est moi le problème à la maison. Non. Moi, je dis rien. C'est toi, tu viens dans ma chambre, tu m'engueules. Si. Moi, je crois que j'en ai... Enfin... Elle me reproche d'être pauvre. Je te reproche rien. Si, tu me le dis en permanence. Juste, toi, tu viens te mêler... Enfin, tu vois, quand je fais des trucs et que tu viens te mêler... Bah ouais, juste, je suis désolée, je n'accepte pas ces activités illicites. Je vais dire la vérité. Je crois que tu parles trop. Non, non. Même moi, dans toutes mes gardes à vue machin, je parle moins que ça. Le dernier rapport qu'il a eu avec son père lui a demandé de la drogue. Mmh. Voilà. Non, mais ça, c'est quelque chose de grave. C'est-à-dire que tu me relis à encore un truc de drogue? Ton père t'a demandé de la drogue. Et un père qui demande de la drogue à son fils, c'est grave. Mais c'est pas l'idée de vous enfoncer, c'est l'idée de vous connaître, monsieur. Oui. Ouais. Moi, l'idée, c'est pas de vous désigner comme le mauvais objet de la famille. Parce que, encore une fois, si ça dure depuis que vous êtes tout petit, je veux dire, c'est qu'il y a un problème qui provient plutôt de votre environnement. Après, vous en avez fait ce que vous en avez fait aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument que vous soyez associée à ça, madame. Sur l'autre type de mesure éducative, une liberté surveillée, le problème, c'est qu'elle s'arrêtera en janvier, donc en juin, pardon, à votre majorité. Donc moi, je ne vais pas prononcer une mesure de liberté surveillée, je vais vous placer sous contrôle judiciaire. J'ai conscience que c'est une mesure qui est extrêmement sévère, mais en même temps, c'est aussi à la mesure des faits qui vous sont reprochés, là, pour le coup, monsieur. Je dis que c'est sévère, la contrôle judiciaire, parce que ça veut dire que vous avez des obligations à respecter. Et si vous ne les respectez pas, vous pouvez aller en détention.
Vous avez le droit de vous taire, faire déclaration, de répondre aux questions. Alors, vous n'aviez pas répondu devant les policiers, je sais pas trop pourquoi. Mais je suppose que devant le juge, vous allez répondre. Oui. Oui. Pourquoi, du reste, vous avez pas répondu devant les policiers? Parce que à chaque fois que je dis quelque chose, ils me disent que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, ils sont pas obligés de vous croire. Ah, mais après, ils notent vos déclarations. C'est comme ça, du reste, que ça va se passer. Hein. Moi, je suis pas du tout obligé de vous croire. Après, vous avez le droit de mentir. Mais c'est la greffière qui notera de toute façon vos déclarations. Oui. Que je le croie ou je le crois pas. Ok? On va revenir quand même sur les faits, parce que ça fait quand même 2 faits en 1 mois, dans un contexte où vous faites ça assez régulièrement. Du racket. Vous êtes d'accord avec ça? Sur le fait que vous pratiquez le racket assez régulièrement? J'ai arrêté, mais sur les faits qu'ils sont reprochés par moi... C'est pas la même question, là. Ma question, c'est sur le fait que vous pratiquez le racket assez régulièrement, avec une bande, du reste. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, du coup, ces 2 faits-là, ils peuvent s'inscrire dans ce contexte. Hein. Mmh. Et je vais te dire un truc. Si tu comprends pas ce que je dis, tu me le dis. Parce que des fois, je m'exprime pas bien. Hein, c'est pas toi qui t'exprime, qui comprends pas, c'est moi. Ok? Donc tu n'hésites pas, tu dis, mais là, j'ai pas compris. De la même manière, si toi, tu dis quelque chose que je comprends pas, je te le dirai, j'ai pas compris. Hein? Mmh. On peut dire que, grosso modo, c'est plutôt toi qui as le dessus, quoi. Quand il y a des bagarres, c'est plutôt toi qui as le dessus ou toi qui as le dessous? C'est moi, mais... C'est toi. Ouais. Ils se sont effectivement dirigés vers moi, mais alors dit, ouais, c'est toi qui as mis les photos de moi partout? Mais j'étais pas là, monsieur. J'ai alors répondu par la négative. Elle m'a alors mis une chiquette, j'ai reculé un peu, j'ai même apporté une gifle. T'en penses quoi de ça? En fait, je vous explique, comme j'ai un ami à moi qui me ressemble beaucoup, même mon frère l'a dit, en fait, il s'est passé quoi? Il y avait un ami à moi qui s'est embrouillé avec lui. Il s'est déjà embrouillé. Et comme il l'avait revu, ils se sont rembrouillés et ils croyaient que c'était moi parce que celui-là qui a frappé la personne, il a le même bonnet que moi. Mais t'étais là ou t'étais pas là? J'étais pas là. Ah, t'étais pas là. C'est rien de l'histoire, c'est mon ami. Ah, maître, je vous donnerai la parole plus tard. Maître. Il m'a dit qu'il était arrivé après. Non, mais je comprends parce que ça va pas. Tu vois, regarde, je vais pas aller beaucoup plus loin. Mais ça colle pas. Parce qu'il dit bien que vous étiez 3. Et que sur la scène, lui, il a rien fait, il a juste gardé les mains dans les poches. Ce qui est déjà pas très glorieux. Faut le croire. Maintenant, la victime, elle dit qu'ils étaient juste 2. Et que toi, t'as entendu, tu l'avais tapé. Et, au demeurant, ça fait une vraie contradiction. Parce que toi, tu dis que t'es pas là. Mais même ton copain dit que t'étais là. Eh ouais. Tout à l'heure, il avait pas dit que j'étais là. Non, cherche pas avec ton avocat. C'est à moi que tu réponds. Je te le dis, moi. Ce que je te fais remarquer, c'est que même ton copain dit qu'au moins t'étais là. Et que la victime, elle te reconnaît, mais à 200% comme étant quelqu'un qui l'a agressé. Ah, monsieur, si vous voulez pas me croire, ou comme vous l'avez dit, vous me croyez pas. Voilà. Mais non, tu comprends pas. Pourquoi c'est un peu bizarre? Oui, non, je vous comprends. Mais ce que, si vous me croyez pas, vous demandez à mon père si je... Ah non, certainement pas à ton papa. Si je revenais pas... Il n'était pas là, ton papa. Oui, il n'était pas là, mais... Non, je vais certainement pas lui demander à quoi que ce soit à ton papa sur les faits, Lynn. En revanche, j'ai demandé à mon père. Et il m'a dit qu'il était là. Moi, j'ai des questions, monsieur. Oh, vous poserez vos questions, maître. Allô? Ah ouais, non. Je suis en pleine audience de mise en examen. Je suis désolé, Emmanuel. Non, mais ce sera bon, hein, en principe. Bonjour, monsieur. Elle est où, l'éducatrice de la zone? T'en es où, là, dans ta scolarité? Pas trop. Pas trop, ça veut dire quoi? À l'école, tu vas ou tu vas pas? J'y vais. Tous les jours? Pas vraiment. Ah oui, pas vraiment. Et tu traînes quand même pas mal dans la rue? Plus trop, mec, non. Dans le 9e arrondissement? Ah oui. Et tu fais partie d'une bande qui s'appelle, comme l'a dit ton copain, là, vas-y. Compton? Compton Sud. Oui. C'est ça? Où il y a des plus grands, quand même. On est d'accord? Oui. Donc toi, tu confirmes bien que tu fais partie de cette bande. Et pourquoi tu fais partie de cette bande-là?
Parce que si j'ai bien compris, dans la bande, c'est dès qu'il y a des personnes qui arrivent sur des endroits que vous voulez pas, ça termine en bagarre. On est d'accord ? Ah oui ? Ah oui, on est d'accord. Et pour se faire de l'argent, bah, y a du racket régulièrement. On est d'accord ? J'ai arrêté. Tu as arrêté ? Même les bagarres au niveau bande ? Pas vraiment. Ou tu donnes un coup de main à chaque fois ? J'ai déjà donné des coups de main. Ah, t'as déjà donné des coups de main. Bon, et tu sais qu'à chaque fois, ça s'appelle des infractions ? Mais est-ce que tu t'en rends compte de ça ? Oui. Que là, ça t'amène directement en prison. Que les infractions, les bagarres entre bandes, ça aboutit à ça. Que ça détruit ton avenir. Monsieur Dupuis, ça te parle ? Ah oui, oui. Bon, tu es au courant. Tu sais qu'il a pris une ordonnance de placement vis-à-vis de toi ? Oui. Ouais. Tu sais pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il pense que dans ton quartier, là, bah, tu vas mettre ta vie de plus en plus compliquée. Alors que si tu étais éloigné de Paris, tu aurais une chance de construire un avenir un peu plus facilement. Alors ça, c'est ce qu'a décidé le juge des enfants. Et il l'a décidé au mois d'octobre. Que je sache, il n'y a pas eu d'appel hein, de cette ordonnance. Donc cette ordonnance, elle est exécutoire. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce que l'aide sociale à l'enfance vienne. Parce que au jour d'aujourd'hui, la garde, la direction et le contrôle de toi, la garde de toi, c'est à l'aide sociale à l'enfance. C'est pas avec ton papa. Ton papa, il a l'autorité parentale. Il aura toujours l'autorité parentale. Ce sera toujours ton papa. Mais dans le 9e arrondissement, au domicile de ton papa, aujourd'hui, on pense que t'es en difficulté. Donc, c'est très simple. Ce soir, tu vas aller avec l'aide sociale à l'enfance. MDR ! Cassez-vous le corps, n'allumez pas ! Non, n'allumez pas ! Pas comme ça, pas comme ça. Le corps, papa, pas comme ça, c'est quoi ? Oh non, dans là, j'y vais pas, papa. Ça reste quoi ? Le corps, j'y vais pas. Ça reste quoi ? Tu crois, elle est venue pour ça ? Le corps, j'y vais pas, je crois. Tais-toi, c'est pas comme ça, tu parles. Tais-toi. J'y vais pas. Elle est venue pour ça ? Tais-toi. J'écoute le corps. Je vais pas y aller. Calme-toi. Calme-toi. Parle plus, hein. Tu te tais. Mais si je t'adore. T'as compris ? Mais si je t'adore, tu parles pas. Nous, on a vu que cet enfant commence à fréquenter n'importe qui, faire n'importe quoi et ne pas aller à l'école. Surtout qu'il n'est pas allé à l'école, sa mère, elle a décidé, elle a appelé les services sociaux et elle a dit trouvez-lui un foyer. C'est eux qui ont écrit au juge. Demandez au juge et tout. Alors, regardez-moi, ce que je veux vous dire, c'est que là, je ne sais pas quelle place vous avez trouvé. Pour ce soir ? Oui. Ah, mais ça va être une place d'urgence. Où ? Ah, pour l'instant, mes collègues sont en train de chercher. On n'a pas de place. J'entends. Alors, t'en penses quoi, toi ? Ouais. S'il y a un foyer loin de Paris. C'est plus simple. Tais-toi, non, t'as pas de temps pour qu'il. J'ai plus envie de parler, il m'a dit je parle plus, c'est moi je parle plus. C'est mieux que je parle plus. Mais maintenant, il te dit de parler. Parle, réponds au juge. Ce que je veux te dire, c'est que d'avoir ton sentiment. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir là, du haut de tes 12 ans, si, comme le dit ton papa, un foyer est trouvé en dehors de Paris, tu vas y aller ou pas ? Si, non, demande en dehors de Paris. Je vais y aller, mais s'il n'y a pas des gens handicapés. Voilà ce qu'il a. Et si c'est pas comme la dernière fois ? Il a été avec des personnes plus âgées et déficience mentale, votre honneur, dans un foyer à la Haute-Savoie. C'est pour ça que je l'ai plus. Ah, mais ce ne sera pas la même chose. Ouais. Non, mais que ça soit pas la même chose, vous croyez que je suis en garde à vue, après je dépose et après je vais y aller au foyer directement. Alors ça, à la rigueur, je vais te dire. Arrête, pose tes mains. Ça, juridiquement, c'est ce qui devrait se faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que demain, il n'y a rien qui indique, demain, après-demain, dans un mois, qu'il ne recommence pas des faits comme ça. Il a intérêt. Parce que il a intérêt, mais c'était la même chose d'ailleurs. Non, monsieur, nous on travaille pour le placement. Il y aura, dès qu'ils trouveront le service espoir. Même moi, je me suis mis alors, j'entends, mais on va, vous allez changer un petit peu de point de vue aussi. Je vais vous dire sur quoi. C'est, maintenant, c'est pas que le service espoir. C'est le service espoir et l'aide sociale à l'enfance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si le service espoir cherche, ouais. Si le juge a pris une décision, c'est pour soutenir le service espoir auprès de l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Pourquoi ? Parce que de toute façon, le placement qui est pris, dans quelques lieux en dehors de Paris, que ce soit, sera un placement aide sociale à l'enfance. Et le service espoir
s'arrêtera. Oui, et ce sera l'aide sociale à l'enfance avec qui vous devrez travailler. Okay, donc là, actuellement, je vous invite franchement à travailler avec les deux services. Vous avez besoin des deux. Le gardien à la fin, ce sera l'aide sociale à l'enfance. Il n'y a pas de problème, votre honneur. Moi, je suis prêt à travailler avec eux pour trouver quelque chose d'adapté pour mon fils. Je vous le dis, je vous le répète, je dessinerai avec mes mains. Je suis d'accord. Bon, ben ça, c'est noté. Il n'y a pas de problème. Allez. Oui, allô, monsieur Moineville, à l'appareil, je vous écoute. Oui, monsieur Moineville, c'est monsieur Croft, la brigade des mineurs de Paris. Alors. Bon, on a bien avancé. Ah bon? Ouais, grave, pardon. Allez, mais non, mais superbe. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, alors ça, c'est beau ça. Ouais, je suis hyper content, surtout pour la gamine qui a des problèmes un peu psy, et du coup, je suis hyper content pour elle. Ah ouais, c'est magnifique, ça. Il a reconnu les fellations, les cunilingus, les caresses, les masturbations, tout, il a tout reconnu. Bah bravo, hein, franchement. Il reste sur le fait, par contre, alors c'est son mode de défense, mais... Qu'elle était d'accord. Pas la route, ouais, bah, qu'elle était plus que d'accord et qu'en plus, c'est elle qui demandait à chaque fois. C'est elle qui était en demande de ses caresses. Et il se souvient de l'âge maintenant ou pas? Alors selon lui, hein, l'âge a commencé selon lui vers entre 10 et 11 ans et ça aurait perduré jusqu'à 6-16 ans. La victime et la mère nous dit que ça a commencé alors qu'elle avait 7-8 ans, mmh. Ça se serait terminé vers 16 ans. Mmh. Et il décrit également une forme de crescendo dans le passage à l'acte. Ouais, ouais, bien sûr. Au départ, c'est elle qui lui aurait dit bah, « Tiens, tu peux me caresser le sexe ?» Et là, il l'aurait fait. Du coup, elle aurait été dans la chambre, elle aurait retiré sa culotte, elle serait revenue dans le salon, aurait relevé sa chemise de nuit, et il lui aurait dit d'aller se coucher, sauf que la victime nous dit qu'effectivement, donc il l'a caressée. Après, elle a été effectivement dans sa chambre, elle a retiré d'elle-même sa culotte. Elle est revenue sur lui et là, il a continué à la caresser. Par la suite, il y a eu des caresses donc régulièrement. Ensuite, il y a eu cunnilingus de sa part. Et ensuite, il y a eu masturbation et fellation de la part de la gamine. Donc, quand il parle de fellation, il ne parle pas de fellation, il parle de bisous. Mmh. Donc, quand on lui demande qu'est-ce que c'est que les bisous, ça a été des bisous sur le zizi. Alors, moi, mmh. Je lui fais comprendre qu'un homme à cet âge-là, quand on fait un bisou sur le zizi, on en veut forcément un peu plus. Mmh. C'était là qu'il a dit oui, effectivement, je n'étais pas mon sexe entièrement. Alors, ça, il tient sur le fait qu'il ne l'a pas rentré entièrement, mais qu'il rentrait uniquement une partie de son sexe dans la bouche de l'enfant. Il a été interrogé quand même sur, rétrospectivement, ce que ça lui évoquait, ces faits. Oui, oui, effectivement, il s'en souvient de tout ça. Mais qu'est-ce qu'il en pense? Ah bah lui, il en pense pas grand-chose. Il dit juste qu'effectivement, il se souvient de ce fait-là, mais c'est tout. C'est tout. Après, il nous explique pas, et j'avoue que je lui ai pas demandé pourquoi et dans quelle mesure les agressions et les viols se sont arrêtés, j'avoue. Et il était comment en audition? Il a craqué, on avait l'impression qu'il avait honte, qu'il trouvait ça normal, que... Alors, ouais, il avait honte, il s'est excusé plusieurs fois, mais tout en ne s'excusant pas vraiment, puisqu'il disait qu'à chaque fois, c'est elle qui me le demandait. La victime, en même temps, lors de la confrontation, elle a reconnu qu'assez régulièrement, elle avait des orgasmes suite aux caresses que ce monsieur lui faisait, et que du coup, elle allait très régulièrement vers lui. Alors, je lui ai expliqué que c'était au vu du contexte de son âge, de toute façon, ça ne changeait pas le problème. Mmh. Mais effectivement, elle était, entre guillemets, un peu demandeuse. En tout cas, à l'âge qu'elle avait, ouais. Bon. Ça mérite un petit déferrement. Ouh là là, rassurez-vous, il va être déféré sans aucune. Après, moi, discussion. Je pense qu'il va y avoir une ouverture d'infos. Ah bah là, on va ouvrir une info, c'est clair. La question, ça va être là, ce à quoi je pensais, ça serait la réquisition de mesures de sûreté. Oui, allô? Oui, bonjour, Carnier Lapé Acosta, 11e arrondissement. Oui. Je vous appelle parce que je me trouve sur les lieux d'une enquête d'essai d'une personne de 34 ans qui est décédée. On est intervenu et qu'il y avait un bébé de 22 mois dans sa chambre. Okay. C'est la voisine en fait qui m'a prévenu ce matin parce que le bébé pleurait. Et hier, personne ne l'a entendu, le bébé? A priori, non. D'accord.
Là, il a été pris en charge directement, nous on l'a pas vu, hein, donc il a été pris en charge directement par les pompiers qui l'ont emmené à l'hôpital. Ouais, et vous savez à quel hôpital il est ? L'hôpital Trousseau. L'hôpital Trousseau, ok. Au niveau du palais de la femme, ils sont mis en lien avec le CRIP et avec la 2. Avec la CRIP, ouais, d'accord. On a une idée de la question de savoir si cette dame a de la famille ou pas à Paris ? Non, vous savez pas ? Pour l'instant, pas du tout. Maintenant, Il y a un papa, on a des coordonnées, mais a priori, il sera en Italie et injoignable. D'accord, ok. Bon. Voilà, puis on a vérifié, nous aussi, pourquoi elle se trouvait, elle, au palais de la femme. D'accord, ouais. Il s'est soucié avec le papa ou pas, quoi. Et ça, pour le moment, vous n'avez pas l'information ? Non, pas du tout, non. Bon, ok. Non, on est en train de voir, parce qu'on a laissé un peu suspect, en fait. D'accord, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle est assez jeune et qu'elle a été retrouvée, donc elle est allongée sur son lit, qu'elle avait un... Il n'y a pas de stupéfiant, il n'y a rien. Pardon ? Il n'y a pas de stupéfiant, il n'y a rien. Non, mais elle tenait dans sa main un coussin qu'elle le tenait serré, que les personnes qui sont intervenues ont retrouvé placé sur sa tête. Mmh. Et au niveau de ses lèvres, il y a une trace un peu... Ok, d'accord. Ok, donc une suspicion d'homicide. Voilà. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, pour l'enfant, donc je vais voir si de notre côté, l'hôpital Trousseau nous a faxé quelque chose. Sinon, de toute façon, je veux bien votre écrit dès que vous l'avez. Ça marche, ça. Et je prends une OPP que je vais faxer à toutes les personnes concernées. Bon, de toute façon, on vous tient au courant. Ok, super, merci. Bon courage, au revoir. Est-ce que parmi les signalements, c'est parce que je disais l'enfant, je passe les bisous, je vais le faire, c'est juste qu'on devait garder à vue. Pages, 11 faits différents, à des dates différentes, avec des victimes différentes. 497 pages, ça arrive à 16h30. C'est des faits quand même d'extorsion, enfin il y a des choses qui sont quand même graves. Apparemment, le substitut m'a dit qu'elle avait rajouté un truc avec arme, je sais même pas de quoi il s'agit. Je sais pas, moi j'ai pas cette faculté là de voir 500 pages en... Moi, une demi-heure, je suis pas capable de faire mais ça. Mais moi non plus. Si on me laisse une demi-heure, c'est pas... Mais enfin, je peux pas demander à ma greffière de venir à 23h. Là, il faut 2 heures pour voir ça. Vous comme moi. Alors après, qu'on prenne le temps sur la personnalité pour savoir où ils en sont. Je sais qu'il y en a un qui part en placement. On m'a dit... Alors lui, dans sa famille, il y a 3 enfants qui sont morts. Un qui s'est défenestré, un autre qui est tombé d'une voiture et un autre qui est mort de déshydratation. D'accord. Donc dans la famille, c'est un peu compliqué. Bah ouais, enfin... Bon... Enfin, moi, je pense que l'intérêt de tout le monde, c'est ça, mais... Et l'avocat, il n'est pas là, en plus. L'avocat dit ça, l'avocat choisi. Non, pas encore, mais du coup, je le passerai peut-être après. Enfin, là, j'ai les deux petits. Le but, c'est aussi qu'ils... Moi, je ne vais pas les garder... Ils ont 12 ans, ils sont... Et puis, il y en a un qui ne peut même pas s'exprimer, là, il est au bord des larmes. Ils sont là depuis je ne sais pas combien de temps. C'est des schtroumpfs. Alors, après, apparemment, ils sont mal comportés en garde à vue. Je vais niquer ta mère, je vais te baiser, je vais te fumer, je vais te retrouver dehors. Il a empoigné la crosse de mon taser en me disant « je vais te taser ». Il est haut comme ça. Extorsion, violence, menace, vol en réunion. Voilà comment ils ont distingué les trucs. Mmh. Mais à ce stade-là, j'en sais pas beaucoup plus, quoi. D'accord. Bon, écoutez. Je vois pas de PV de synthèse qui pourrait nous permettre d'avoir une vision globale du truc et des investigations qui ont été menées. J'ai rien.
Allez-y, monsieur, asseyez-vous. Bonjour. Bonjour, monsieur, asseyez-vous. Est-ce qu'il y a un éducateur pour monsieur Bonabuchon? Non, pas vu d'éducateur. Entrez, monsieur gendarme. Fermez la seconde porte. Jeune homme debout devant la porte là-bas. Monsieur gendarme, vous pouvez vous asseoir à votre convenance. Avant que j'aborde les faits pour lesquels vous êtes là, sachez, monsieur, que j'ai eu monsieur Dupuy au téléphone, ainsi que le procureur de la République, et que les uns comme les autres sont extrêmement inquiets pour vous et pour votre comportement. Et que manifestement, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois, mais que manifestement votre comportement, tel qu'il s'inscrit dans une multitude d'infractions depuis pas mal de temps, ne va vous conduire qu'à un seul endroit, monsieur, en prison, et manifestement relativement tôt. Il est donc, à mon avis, grand temps de vous poser les bonnes questions et de savoir si c'est comme ça que vous envisagez votre avenir. Non, madame. Je sais pas, monsieur, c'est vous qui avez les réponses, pas moi. Mais il faut arrêter de croire que c'est pas possible d'aller en prison. Parce que ça, c'est faux. Et vous feriez une énorme erreur en pensant cela. Vous en avez conscience ou pas ? Sur la personnalité, vous êtes très connu de ce tribunal, monsieur ? Oui. Il y a déjà une liberté surveillée préjudicielle ? Oui. Une mesure judiciaire d'investigation ? Vous êtes suivi par l'aide sociale enfance et vous devez normalement être placé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce placement, monsieur ? Au début, je voulais pas, mais j'essaye d'y aller. Vous essayez d'y aller ? Oui. Mais est-ce que vous avez compris que vous n'avez plus le choix ? Là, maintenant, vous avez perdu le choix d'y aller. Ça va être une obligation. C'est obligatoire. Vous comprenez ça ? Vous avez des frères et sœurs ? Oui. Combien ? Deux sœurs et quatre frères. Deux sœurs et quatre frères. Comment est-ce qu'ils s'appellent ? Il y a une qui s'appelle Léon, l'autre Léon. Un frère qui s'appelle Léon. Et l'autre qui s'appelle Léon. Il y a un autre groupe, un autre Léon. D'accord. Votre frère Claudel, il est toujours en prison ? Oui. Vous savez pourquoi il est en prison ? Non. Non. Mais vous avez posé la question ? Pourquoi ? J'ai pas envie de savoir. Vous n'avez pas envie de savoir pourquoi votre grand frère est en prison ? Et vous en pensez quoi alors qu'ils sont en prison ? Je sais pas. Vous avez des nouvelles de lui ou pas ? Non. Et à la maison, vous vivez donc avec vos frères et sœurs et avec qui d'autre ? Vos parents, comment ça se passe avec vos parents ? Bien. Avec votre mère, ça se passe comment ? Elle est partie en Algérie, mais ça se passe bien. Et avec votre père ? Bien aussi. Alors comment vous expliquez toutes ces difficultés ? Je sais pas. Je sais pas. Vous en avez pensé quoi de cette procédure de déferment, là, de ce passage au dépôt, etc. ? Comment vous l'avez vécu ? C'est-à-dire, mal, ça ne suffit pas. Expliquez-moi. Je pense à mes parents. Oui, quoi d'autre ? Que ça. Les victimes. Et les gens que tu as tués. Hein ? Les victimes, comme il a dit. Les victimes ? Les victimes, à ceux qui t'ont fait du mal avec tes potes. Je pense à eux. Ah bon ? Parce que ça vient, c'est pas spontané, hein, quand même, de parler des victimes, manifestement. Moi, il y a une chose, soit il s'est placé, soit je l'envoie au bled et reste là-bas. Vous vous rendez compte aussi d'une chose, monsieur ? Ouais. Je vais vous expliquer aussi quelque chose. Chaque victime, si vous devez être déclaré coupable, j'en sais rien, ce sera abordé dans le cadre d'une audience au fond. Chaque victime est en droit de demander des sous, de l'argent, en réparation du préjudice qu'elle a subi, pour rembourser le téléphone et l'indemniser de son préjudice moral. Parce que nombreuses des victimes que j'ai lues, hein, leurs auditions dans la procédure, disent avoir peur, ne plus vouloir sortir, avoir vu des psychologues, etc. À qui, selon vous, on va demander de payer ces sommes d'argent ? À mes parents. C'est ça. Il va falloir penser à tout ça, monsieur. Parce que c'est à vos parents qu'on va venir demander de réparer le tort que vous avez causé. C'est ce qu'on appelle le civilement responsable. Vos parents sont responsables des actes que vous posez. Chaque acte a des conséquences. Vous supportez les conséquences, mais votre famille aussi. Vous les entraînez, eux aussi,
dans la voie que vous, vous avez choisie. Et je pense que vous ne devez en retirer aucune fierté. Après, si vous voulez continuer à jouer les petits caïds dans le 9e, vous trouverez à chaque fois sur votre route la police et la justice. Ouais, et vous en sortirez pas grandi, monsieur. Et plus fort que lui, et plus fort que lui. Ça, il faut le savoir. On a toujours plus fort que soi. Ben. À vous de faire vos choix, monsieur. Soit vous continuez comme ça et c'est la prison. Soit vous nous laissez vous aider. Et on réfléchira et on essaiera de faire en sorte que vous puissiez être à nouveau scolarisé et que vous puissiez faire des choix un peu plus judicieux. À cet âge-là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il rentre dans le moule. Vous venez signer chacune de ces pages, monsieur, à côté de ma signature. C'est le procès-verbal sur lequel vous êtes désormais mis en examen. C'est bon. Monsieur, votre fils est libre. Il va repartir au dépôt chercher sa fouille et vous allez pouvoir le récupérer d'ici une vingtaine de minutes. Ayez bien conscience, monsieur, que désormais... Il est probable que le procureur de la République, à chaque fois que vous aurez l'envie de commettre des faits de cette nature, vous réserve le même sort qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le déferment. La valise, elle est pleine, t'as compris. Vous avez compris ? Oui, madame. À charge pour vous de faire les bons choix. Vous avez des éducateurs autour de vous. Ils sont là pour essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là et faire en sorte que ça change. Soit vous saisissez la main qu'on vous tend, soit malheureusement vous assumez toutes les conséquences de vos actes. Essayez de réfléchir à la façon dont vous envisagez votre vie et votre avenir. C'est un peu tôt quand on a 12 ans. Mais comme c'est très tôt pour commettre tous ces faits-là. Bonjour monsieur le gendarme, ses parents sont là ou pas ? Non, il y a son éducateur. Oui, je veux bien son éducateur. Il est parti avec l'autre éducateur. Je vais aller chercher. Ouais, aller les chercher. Des entraves. J'ai aucun parent. Non, c'est terrible. Pour un gamin de 12 ans. Et il rentre comment chez lui? L'éducateur. Ah oui, chez moi. Comment? Non, rien. En fait, je crois qu'ils sont déjà placés. Bon. Bah, quand je lui aurais dit de le faire, monsieur Maï. C'est moi qui décide ça. D'accord. Voilà. Et puis, monsieur gendarme, du coup, il attend. Mais c'est pas vous qui pouvez lui demander de le faire, voyez ? Ça fonctionne pas vraiment comme ça. Vous avez compris où est-ce que vous étiez, là, monsieur ? Est-ce que vous avez compris que vous êtes dans le bureau d'un juge des enfants ? Oui. Vraiment ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça va mal se passer ? Non. Non, ça va pas mal se passer. Donc, monsieur gendarme, vous pouvez désentraver ce jeune homme, je vous remercie. Monsieur gendarme, vous pouvez vous asseoir. Oh, monsieur, il ne me semble pas vous avoir invité à vous asseoir. Debout, devant la porte, là-bas. Donc, à ce stade de la procédure, monsieur, j'envisage de vous mettre en examen. Vous avez trois possibilités. Répondre aux questions, faire des déclarations ou refuser de parler aujourd'hui. Quel est votre choix ? Déclaration, c'est-à-dire quoi ? Je crois que vous en avez parlé avec votre avocat. Oui, je vous ai dit de garder le silence. Déclaration, c'est... Dire, parler pour ne rien dire. Dites, je garde le silence. Je garde le silence. Très bien. Ce choix de garder le silence a été fait par votre avocat après que nous en ayons parlé, dans la mesure où cette procédure est extrêmement complexe et que pour préserver vos intérêts et préserver vos droits, il paraît assez important que votre avocat ait pu prendre connaissance de cette procédure dans le détail. Les faits qui vous sont reprochés sont graves, raison pour laquelle vous avez fait l'objet d'une procédure de déferment. Qu'est-ce que vous en avez pensé, cette procédure de déferment, monsieur, du haut de vos 12 ans ? Je vous ai posé une question ? Qu'est-ce que vous en avez pensé, cette procédure de déferment, monsieur ? Moi, je pense ça pas normal. Pas normal ? Pourquoi ? Je sais pas. Comment ça, vous savez pas ? Je crois qu'il a pas compris le mot. Vous êtes arrivé du commissariat pour aller au tribunal, d'accord ? Avec des menottes, etc. Ça, c'est la décision du procureur de la République qui est prise pour les faits les plus graves. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce passage de la garde à vue, enfin de la retenue,
jusqu'au dépôt. Vous avez trouvé ça agréable, désagréable? Vous avez envie de recommencer, pas recommencer? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je suis bon. Très bon. Oui. Ça vous a rien fait? Oui. Non. Le fait de... Si, si, ça m'a fait un truc. Ça vous a fait quoi? Est-ce que je rentre chez moi ce soir? Je sais pas encore. Ok. Là, quand je vous vois, monsieur, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout pris conscience de ce qui vous est reproché, la gravité des faits qui vous sont reprochés. Si, si, j'en ai conscience. Ça laisse à penser que votre place, finalement, elle était plutôt dans un foyer que chez vous. Non. Pour que vous puissiez bénéficier d'un environnement un peu plus cadrant et protecteur. Si je suis dans un foyer ou dans un hôtel, ça va. Ah non, pas un hôtel. Oh là là, pas un hôtel. Sûrement pas. Non, un foyer loin de Paris. Et si je suis dans un foyer loin de Paris, ça va encore plus empirer les choses. Pourquoi? Parce que moi, je vous dis, ça va encore plus empirer les choses. Ah, ce sont des menaces? Non, c'est pas des menaces. Mais pourquoi ça empirerait les choses, monsieur, alors? Si j'aurais dit des menaces et j'aurais dit... Vous, madame, vous aurez des problèmes. Et c'est ça, des menaces. Ah oui, alors la difficulté... Dis... Non, non, stop, pause, arrêt sur image. Si vous me dites une chose comme ça, là, c'est sûr que vous n'allez pas rentrer chez vous ce soir parce que je vais appeler le procureur de la République pour soulever le fait que vous menacez un magistrat. Et ça, c'est une infraction supplémentaire. Vous comprenez? Mais le fait de dire, si vous me placez... Ce sera encore pire. Ça aussi, finalement, ce sont des menaces, monsieur, sauf que vous n'en avez pas conscience. Mais ce sont aussi des menaces en disant, mais faites ce que vous voulez, mais de toute façon, je n'obéirai pas. C'est ça, ce que vous êtes en train de me dire, finalement. Alors, expliquez-moi, parce que j'ai pas bien compris. En fait, ce que j'ai en train de dire, c'est que je vais être dans un foyer et je vais aggraver encore plus les choses. Pourquoi? Parce que je vois pas ma famille. Ben oui, mais monsieur, manifestement, quand vous voyez votre famille, vous vous comportez mal. D'accord, on va voir. Comment ça, on va voir? Non, rien. On va voir quoi, monsieur? Non, monsieur, rien, on va rien voir. Vous faites quoi de vos journées, monsieur? Je sais pas. Vous savez pas. Vous allez à l'école? Non. Non. Depuis combien de temps vous n'allez plus à l'école? Hein? Depuis combien de temps vous n'allez plus à l'école? Je sais pas. Votre niveau scolaire, c'est quoi? La dernière classe, vous êtes allé jusqu'au bout? Non. Vous comprenez ce que je vous dis ou vous comprenez pas mes questions? Non, je sais pas. Là, manifestement, il a rien compris à ce qui se passait et surtout pas compris qu'à ce rythme-là, il va bientôt se retrouver en prison. Okay. Et pourquoi je vais me retrouver en prison? On vous reproche des faits pour lesquels vous risquez 7 ans de prison, monsieur. 7 ans? Oui. Mais j'ai 12 ans, je peux pas y aller en prison. Mais il y a des palliatifs avant. Il y a des choses qui peuvent être faites avant, monsieur. Ouais. Et quand on a 12 ans, on n'a pas le droit de faire du mal aux autres. Ouais. Ça ne vous donne pas le droit de faire tout ce que vous voulez simplement parce que vous avez 12 ans. D'accord. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. Ouais. Et quand on commet des actes comme ça, on perd le droit de choisir où l'on va. Parce que c'est des décisions qu'on vous impose après, de partir dans des foyers, par exemple. D'accord. Mais manifestement, vous ne croyez pas un seul mot de ce que je vous dis. Si, d'accord. Je vous dis oui, je comprends. Et vous comprenez qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des comportements comme ça qui soient posés? Oui. Les victimes, vous en faites quoi? Les victimes, vous en faites quoi, monsieur Reiner? Les victimes? Les victimes. Les victimes. J'en fais quoi, les victimes? Qu'est-ce que vous pensez pour les victimes? Qu'est-ce que vous ressentez pour les victimes? Rien du tout. Rien du tout. Si, je suis un truc. Mentionnons que le mineur rigole. Et comment? À l'évocation des victimes. Vous envisagez votre vie en prison, monsieur Reiner, ou pas? À votre avis? Ah ben non, mais c'est à vous que je pose la question. Non. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je sais pas.
L'éducateur me dit que vous voulez reprendre une scolarité. Vous voulez retourner à l'école, c'est vrai ou pas? Ouais. Et si vous retournez à l'école, vous allez respecter le cadre de l'école? Ouais. Et travailler? Si je retourne à l'école chez moi. Oui, mais ça, si monsieur, je suis chez moi. C'est pas vous qui fixez vos, c'est pas vous qui fixez vos conditions. Mais d'accord, vraiment. Il faut arrêter de croire que vous êtes plus fort que tout le monde. Et que c'est vous qui décidez de tout. Quand on a 12 ans, on ne décide pas. C'est les adultes qui décident pour vous. D'accord. Mais je peux juste poser une question. Les adultes, et peut-être ils décident pour nous. Mais ils peuvent être pas d'accord. Et les enfants, non. Ben oui, mais les enfants, même s'ils sont pas d'accord, c'est pas l'enfant qui décide. D'accord, ok. D'accord. Monsieur l'éducateur, association Jean Coxet, c'est ça, dans le cadre d'une AEMO? Non. Vous intervenez dans à quel titre? Éducateur, actuellement, par intermédiaire d'intérim, avec l'ASE de Paris. D'accord, donc il est placé, ce jeune homme? Tout à fait. Donc il part où, là? Il est en charge individuelle. D'accord. Qui a et donc été effective récemment. Donc, prise en charge individuelle, c'est-à-dire qu'il est où? À l'hôtel. À 12 ans? Voilà. Je suis d'accord avec pas grand-chose sur ce qu'a dit ce jeune homme depuis le début, mais au moins sur une chose. La place d'un enfant de 12 ans n'est pas à l'hôtel. Sa place n'est certainement pas chez sa mère, d'accord ? Sa place est dans une structure collective, soit dans une famille d'accueil, soit dans une structure collective de petit effectif, type lieu de vie, en province, avec une scolarité interne, pour pouvoir retravailler sur sa remise à niveau et mettre en place un suivi psychologique. Mais tout ça, c'est pas possible à l'hôtel. Tout à fait. Mais par rapport aux prises en charge qui a été effective auparavant, tout ce qui était des lieux de vie ou des structures mini-collectivités et collectivités n'ont pas tenu. Vous tenez bien, jeune homme, pour la troisième fois, s'il vous plaît. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il est passé sur un suivi individuel où il peut avoir tout ce qui est pédagogique à travers le détour et essayer de l'accompagner avec un soutien renforcé. Je connais les hôtels, pardonnez-moi, c'est pas du meilleur monde. Vous le savez bien. Il y a des jeunes majeurs, il y a... Non, c'est pas du tout. Lorsqu'on dit hôtel, c'est parce qu'il n'y a pas eu de solution, c'est un suivi individuel. Oui, mais il dort quand même pas le coup. Mais sans vous médire la qualité de votre travail et la qualité de votre formation, c'est pas ce qui convient à un jeune garçon de 12 ans. C'est pas possible. Je vais en parler, c'est monsieur Dupuis qui suit ce jeune homme, je lui ferai un soit transmis sur ce point pour essayer de travailler sur une orientation de monsieur dans une structure en province de petit effectif. Il a essayé récemment ses jours de rupture, ça n'a pas tenu. Les faits là, c'est 7 ans qui sont en cours, 3 ans et demi parce que vous êtes mineur. Imaginez-vous privé de votre liberté pendant 3 ans et demi. À un moment ou à un autre, si vous continuez à faire ces choses-là, c'est ce qui va se passer. Et ce jour-là, monsieur, il sera trop tard pour pleurer ou pour dire que c'est injuste. Parce qu'on vous aura prévenu. Et on vous aura tendu la main. Donc soit vous comprenez que le fait de vous envoyer en province, c'est dans votre intérêt, pour vous permettre de retrouver une vie d'enfant, de travailler, d'aller à l'école, c'est manifestement ce que vous voulez, et de vous permettre de vous remettre à niveau, soit vous mettez tout en échec et on n'a pas de baguette magique. Mais dans ce cas-là, monsieur, dans 2, 3, 4 ans, quand vous approcherez de vos 16 ans, si vous commettez des faits comme ça encore, vous serez à nouveau déféré devant nous. Mais vous ne ressortirez pas. Parce que le procureur demandera la saisine du juge des libertés et de la détention et que le juge des libertés et de la détention vous enverra à Fleury-Mérogis. Oui. Ça peut même arriver bien avant 16 ans, monsieur. C'est vous qui voyez. Ils ont réformé, donc la plupart du travail, ils peuvent maintenant annuler l'arrêté de placement en détention. Le juge y a été.